I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack map here. Track in. Pack map here. In. Track here. Hello, hello, c'est Las. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo différente de ce que je fais souvent sur ma chaîne. Il s'agit tout simplement d'une vidéo unboxing. Donc, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram parce que là-bas, en fait, je partage des choses que je n'aborde pas forcément ici sur YouTube. D'ailleurs, je vous mettrai mon Instagram quelque part là et aussi en bas d'informations. Et tenez aussi à remercier ceux qui like mes vidéos, ceux qui les partagent, ceux qui commentent et aussi, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, comme je disais tantôt, je suis allée aujourd'hui à Douglas. Voilà. Pour m'acheter de nouveaux parfums parce que j'avais besoin de parfums différents de ce que j'avais à la maison. Et honnêtement, en y allant, je n'avais aucune idée de quel type de parfum je voulais, de quelle senteur je voulais, de quelle fragrance j'en avais besoin. Mais heureusement pour moi, je suis tombée sur une vendeuse vraiment gentille, une vendeuse vraiment bienveillante qui m'a donné quelques conseils pour pouvoir en fait faire le choix d'un bon parfum. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que avant de choisir un parfum, il ne faudrait pas se fier à la première odeur qui est l'anneau de tête, mais que la fragrance en elle-même apparaît au bout de deux à trois heures de temps. Et on appelle ça l'anneau de cœur. Voilà, si j'ai bien retenu. on appelle ça l'anneau de cœur. Et c'est après ce laps de temps qu'on pourrait vraiment choisir objectivement un parfum. De deux, elle m'a fait comprendre que le parfum devrait épouser l'odeur corporelle. Donc, ce n'est pas parce que A a utilisé un parfum qui sent bon que ça veut forcément dire que le parfum me conviendra ou bien te conviendra. Ou bien parce que tu as vu sur Internet des avis positifs sur un parfum, ça veut dire que c'est un très bon parfum et qu'il passera avec toi. Non, non, non. C'est un peu comme le lait corporel en fait. Ce qui convient, il ne passe pas forcément à Y. La troisième chose qu'elle m'a dit, c'est que le parfum dépend de l'acidité de la peau. Donc, c'est souvent mieux de mettre un peu de parfum sur son vêtement et éventuellement accompagner le parfum avec une crème corporelle et aussi avec, avec le gel de douche qui va avec. La quatrième des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'il y a une différence entre l'eau de toilette, l'eau de toilette et l'eau de parfum. L'eau de toilette, en fait, ne tient pas plus longtemps. Par contre, pour ceux ou celles qui ont besoin d'une senteur longue tenue, ça serait mieux d'utiliser l'eau de parfum, même si elle est un peu plus, même si elle est un peu plus chère, quoi. Donc, voilà les quatre conseils qu'elle m'a donné par rapport à l'achat du parfum. Et du coup, je vais vous présenter ce que j'ai pris chez Douglas pour moi-même, en fait. Donc, là-bas, j'ai pris ce parfum-ci, le parfum Chloé. Attendez, le parfum Chloé. Je ne sais pas comment mettre ça. Bref, je vais vous afficher ça à l'écran. C'est l'eau de parfum 75 millilitres et l'odeur en fait est juste magnifique. C'est un parfum, c'est pas trop faible, c'est trop fort, c'est pas envoûtant, c'est pas enveloppant, c'est un parfum chic classe. Ouais, non, le genre de parfum que quand tu as des soirées un peu un genre là, tu mets, voilà, tu utilises ce genre de parfum quoi. Et ensuite j'ai pris, comme nous sommes en été, j'ai pris ce parfum-ci là, Jardin Bohème, épisode romantique. Le parfum aussi, ça sent très bon.
C'est un parfum, je vais dire ça comment, c'est un parfum un peu fruité, doux, très enveloppant d'ailleurs, mais je trouve qu'elle est un peu plus envoûtante. Et c'est le type de parfum qu'on utilise pendant les saisons estivales. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, voilà quoi. Et maintenant, pour suivre le conseil de la dame, j'ai pris, pour accompagner le parfum Jardin Bohème, j'ai aussi pris ceci, c'est la crème corporelle. De toute façon, je vais bien vous mettre ça à l'écran. C'est la crème corporelle, toujours épisode romantique, 200 ml le flacon. J'aime bien ce type de flacon parce que voilà, tu mets ça sur la main un peu comme ça et tout et tout. Et le parfum aussi, ça sent super bien. C'est, vous voyez, c'est agréable lorsqu'on l'applique sur la peau. Ça laisse vraiment. Là, ça sent bon. C'est vraiment doux, quoi. Ça laisse une peau vraiment douce après utilisation. Après, j'ai pris toujours Jardin Bohème. J'ai pris cette crème de douche-là. 150 ml. De toute façon, je vous mettrai les prix et en barre d'informations bien à l'écran. Ça sent aussi bon. Ça sent aussi bon. C'est pratiquement la même odeur en fait. Et voilà. Je vais tester et puis je vais vous dire si ça m'a plu ou pas, si c'est que c'était bien sur ma peau ou pas. Et maintenant, la femme en tête, elle m'a fait comprendre que je suis très. Elle m'a dit que tu es tellement gentille et tout. Du coup, elle m'a donné. Elle m'a donné pas, ouais, ça. Elle m'a remis ces sacs-ci-là. Voilà. Elle m'a remis ces sacs-ci-là. Ce sont des petits sacs en fait. C'est un sac en fait pour aller en week-end. Moi, je trouvais qu'elle était tellement bienveillante et tout. Mais après, c'est elle qui m'a offert les choses, quoi. Voilà, c'est présenté comme ça, là. Voilà. Avec ça. Pour porter, on peut bien la régler après. Voilà, c'est un peu le petit sac que j'ai. Vous pouvez partir un week-end de 2 jours ou 1 à 2 jours. Voilà, vous prenez ça et puis vous partez avec quoi. Après, elle m'a donné beaucoup d'échantillons. Elle m'a donné ce quoi ici. Je crois que c'est le mascara. Je ne maquille même pas. Elle m'a donné ce mascara de chez Dior. Oui, elle m'a donné ce mascara de chez Dior. Ensuite, elle m'a donné cette eau de parfum de chez Dior. J'adore de chez Dior. On va un peu tester pour voir comment ça sent quoi. Oups. Ça sent super bon. Mais c'est comme si j'ai gâté. Peut-être que c'était pas comme ça qu'on ouvrait. Pip, 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 pip. Le packaging, c'est vraiment joli, hein. Mais je ne sais pas comment on ouvre ça en fait. Bref, je vais regarder après. Ensuite, elle m'a donné ceci. Je pense que c'est pour les yeux, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais je pense que c'est pour les yeux. Je vais donner ça à ma cousine, c'est elle qui s'est maquillée. Et elle m'a aussi remis ça. C'est aussi le eau de parfum intense de chez Paco Rabanne. Oh putain, le packaging est joli. Regardez. C'est très beau ça, j'adore. Oh, ça sent bon. Ça sera mon prochain parfum. Donc voilà. Voilà. Et enfin, j'ai reçu ça d'elle aussi. Ça fait partie des cadeaux qu'elle m'a donné. C'est lait parfumé hydratant My Way de chez Giorgio Armani. Voilà. Donc elle m'a donné beaucoup de plein de trucs comme ça là parce qu'elle trouvait que j'étais gentille, que j'étais trop sympa, que j'étais bienveillante et tout. Donc, les amis, c'est ici que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. Comme ça, j'en ferai le plus souvent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, laissez-moi des commentaires, des likes. OK? Tchuss!